Bonjour très chers abonnés, bonjour très chers collègues, c'est Jean-Saint Kunga, je suis ingénieur des bâtiments et travaux publics, ingénieur BTP. J'espère que vous allez très très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une formation. Nous allons donc dimensionner une poutre-voile avec réservation circulaire des tuyaux. Alors c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors sans plus tarder, premièrement, je vais ouvrir le logiciel Robot Structural Analysis. Communément appelé RoboByte. Je vais double-cliquer premièrement là-dessus. Alors, le temps que les logiciels s'ouvrent, je vais illustrer quelques croquis ici ou les informations de manière à ce que nous puissions déjà voir ce que nous allons donc dimensionner tout à l'heure. Alors, déjà, j'espère que vous êtes en train de voir le titre de notre formation d'aujourd'hui, dans tuto RSA, dans tuto Robot Structural Analysis, dimensionnement d'une poutre voile. Avec réservation circulaire des tuyaux. En fait, nous le savons très bien ce que nous appelons poutre et voile. En fait, une poutre et voile, bien sûr, c'est une poutre, mais dont la section est tellement grande. C'est-à-dire, vous avez la possibilité d'utiliser des poutres et voiles lorsque vous êtes en train de faire un grand projet et à plusieurs niveaux, voire même un grand ciel, un gratte-ciel plutôt. Vous avez la possibilité de mélanger dans vos poutres. Vous pouvez avoir des poutres en béton armé normal, avec des sections que vous avez prédimensionnées normalement, des sections, des petites sections peut-être, mais aussi vous pouvez mélanger avec des poutres voiles. Des poutres voiles, vraiment, ce sont des poutres qui ont donc une très 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 grande section. Et la hauteur, ça peut même aller, voire même jusqu'à 1 mètre, 2 mètres, 1 mètre 50, voire même au-delà. Voilà, donc en fait c'est ça. Et vous pouvez avoir des sections peut-être telles que la base peut être peut-être de 25 cm, mais la hauteur ça peut aller même jusqu'à 1 m 50, 1 m 20, 1 m 80, 2 m, ainsi de suite. Donc ça dépend du projet que vous êtes en train de faire, mais aussi votre prédimensionnement. Voilà, donc sans plus tarder, je vais premièrement illustrer quelques croquis ici. Alors, les données de notre poutre voile que nous allons faire premièrement ici. Voilà, je vais vous présenter d'abord les poutres en question et la coupe transversale de notre poutre. Voilà, ça sera en quelque sorte comme ça. Voilà, donc comprenez, le dessin ne sera pas vraiment bien puisque je suis en train de tracer rapidement. Voilà, ici nous avons directement la base. Notre base ici est de 25 cm. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Voilà, retenez que nous avons une base de 25 cm ici. Et puis la hauteur de notre poutre voile ici est de 1 m 50. Voilà, donc est de 150 cm. Donc ça fait 1 m 50. Ça, 50 cm. Voilà, donc ça, en fait, c'est la configuration, c'est une coupe transversale de notre poutre voile. Nous avons donc une base de 25 cm, mais la hauteur, ça nous fait 150 cm. Alors, je peux achirer ça rapidement. Voilà, je fais ça comme ça. Voilà. Voilà, donc ça, c'est une coupe transversale que je viens d'illustrer. Alors, les informations concernant les dimensions, c'est ce que je vais mettre ici. Bon, j'ai la possibilité de mettre ça au clair ici. Donc, B, ça représente la base. Je viens de dire que notre base est de 25 cm. Base est de 25 cm. Alors, la hauteur ici, nous avons une hauteur donc de 1 m 50. Ça nous fait 150 cm. Voilà. 150 cm. Alors, la longueur de notre poutre voile est de 8 mètres. Voilà, donc je mets directement 8 mètres. Voilà. En fait, concernant le chargement maintenant ici, nous avons deux types de chargement. Premièrement, nous avons la charge permanente. Nous avons la charge permanente. Donc, je peux écrire tout simplement ça. Je mets donc charge et puis je peux mettre P ici. Donc, je peux soit abréger charge per. Voilà, cela veut dire charge permanente, que je peux abréger directement par la lettre G, comme d'habitude. Voilà, la charge permanente par rapport à notre projet est de 8 kg.
kilonewtons. Voilà, je mets ça rapidement, 8 kilonewtons par mètre. Ça, c'est la charge permanente. Alors, la charge d'exploitation par rapport à notre poutre voile, c'est ce que je vais illustrer également ici. Je vais écrire tout simplement comme je viens de faire là. Charge d'exploitation. Je peux abréger tout simplement. Je peux mettre ça comme ça, donc charge d'exploit. Voilà, comprenez le problème de souris. Donc, je ne suis pas en train d'écrire convenablement. Mais l'essentiel, il faut retenir ce que je suis en train de dire. Alors, je vais abréger ça par la lettre Q, qui représente donc la charge d'exploitation, et de 12, voilà, je mets ça rapidement ici, et de 12 kilonewtons par mètre. Voilà. Donc, retenez que la charge permanente est de 8 kilonewtons par mètre, et la charge d'exploitation est de 12, bon, c'est pas vraiment visible. Je vais d'abord effacer ça pour écrire ça correctement. Voilà, je vais supprimer ça rapidement. Voilà, donc je mets directement 12. Voilà, je crois que cette fois-ci c'est quand même visible. Kilonewton par mètre. Voilà. Donc, voilà, nous avons déjà nos données. Alors, je peux compléter quoi? Bon, pour bien voir aussi notre poutre voile ici, je peux vous présenter aussi la deuxième représentation pour illustrer quelques informations, quelques éléments et qui va soutenir notre poutre voile. Alors, je sais très bien que je suis en train de dimensionner une poutre voile qui sera soutenue par des réduisseurs. Nous aurons donc des réduisseurs et à gauche tout comme à droite. Voilà, donc pour illustrer ça, je vais faire ça ici rapidement. Voilà, donc ça représente la longueur de notre poutre voile. Voilà, que je peux toutefois assurer comme j'avais fait. Je prends ça, je vais assurer ça comme ça. Voilà, je vais changer en fait la couleur. Je supprime d'abord ça. Je veux que les dessins soient quand même bien et quand même visibles. Voilà, je prends un crayon, je prends ça. Voilà, et puis je vais changer la couleur ici. Je prends cette couleur, je prends le crayon. Voilà, je peux assurer ça comme ça. Je fais ça rapidement. Voilà, tout comme ici, c'était déjà assuré, mais je peux soit renforcer comme je vais. Voilà. Et puis maintenant, ça reste quoi? Je vais représenter aussi mes réduisseurs. Donc, j'ai des réduisseurs à gauche ici. Voilà. À gauche, tout comme à droite. Ça me fait directement deux réduisseurs. C'est pour dire que l'élément que je suis en train de dimensionner, ma poutre voile, est soutenu par des réduisseurs. Donc, à gauche, tout comme à droite. Vous voyez? Alors, par rapport à notre titre ici, donc c'est bien écrit, nous sommes en train de dimensionner une poutre voile avec réservation circulaire de tuyaux. Notre réservation plutôt sera ici au milieu. Voilà, la réservation, nous allons créer ça ici au milieu. Voilà, ça sera ici notre réservation. En fait, nous sommes en train de dimensionner une poutre voile. Supposons que il y aura des câbles qui vont passer donc à l'intérieur ici, des tuyaux. Et donc, il va passer directement ici. Donc, on aura une réservation circulaire ici au milieu. C'est ce que nous allons voir. Je vais vous montrer comment peut-on créer ça rapidement. Alors, par rapport à la cotation, on aura presque la même chose. Voilà, la cotation, la longueur de notre poutre voile ici, ça nous fait combien? Elle est de 8 mètres. Voilà, donc je peux écrire tout simplement ici 8 mètres. Voilà. Et puis, je peux mettre mes flèches ici, justement, pour signaler que j'ai deux raidisseurs. Voilà, deux. Bon, je peux écrire correctement, deux raidisseurs. Voilà, je veux vraiment que tout soit bien visible, de manière à ce que vous puissiez donc retenir une fois pour toutes. Voilà, j'ai deux raidisseurs à gauche, tout comme à droite. Voilà. Mais aussi, vous avez la possibilité aussi de faire la troisième représentation
sous forme de perspective, de manière à ce que vous puissiez donc bien voir les projets que nous sommes en train de faire. Alors, je vais faire ça rapidement. Cette fois-ci, vraiment, je ferai ça un peu rapidement. Voilà, en perspective, on aura donc quelque chose de là. Donc, je peux signaler premièrement, ça c'est la première représentation. C'est une coupe transversale que je viens de faire à ces niveaux. Ça c'est la deuxième représentation. C'est une coupe longitudinale que je viens de faire, justement pour vous faire montrer ce que je suis en train de faire ici. Alors, la troisième représentation ici, je vais faire donc la perspective. Voilà, la perspective. Je fais donc une perspective cavalière. Voilà, donc ça sera en quelque chose comme ça. Je vais d'abord effacer ça. Voilà, je vais supprimer rapidement. Supprime ça rapidement. Voilà, je vais effacer ça rapidement. Alors, je suis en train d'illustrer les trois représentations de manière à ce que tout soit clair. Une fois que tout est clair, alors bon, quand nous allons passer directement à la modélisation à partir d'ici dans notre logiciel Robobyte, vous allez voir que nous allons évoluer rapidement. Voilà. Donc, je prends premièrement crayon, comme d'habitude. Alors, je fais ça. Je trace. Ça représente réduceur. Donc, ça représente plutôt ma poutre voile. Voilà. Et ici, je place directement le raidisseur. Voilà, je peux représenter ça en quelque sorte comme ça. Voilà. Voilà, en quelque sorte, hein. Voilà. Je descends jusqu'ici. Voilà, je fais ça. Hop, et puis je fais ça. Voilà, en quelque sorte. En tout cas, ne me tenez pas vraiment rigueur par rapport au dessin, puisque je suis en train de d'utiliser donc les souris qui n'est pas vraiment bien. Voilà. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Donc, je mets ça en jaune, en vert plutôt. Donc, cette partie que vous êtes en train de voir ici, ça représente donc le raidisseur. Voilà, ça c'est notre raidisseur en perspective. Et l'autre raidisseur sera dans de ses côtés, en quelque sorte je fais ça comme ça. Tandis que ce que vous êtes en train de voir ici au milieu, ça représente notre poutre voile. Alors, la longueur ici, ça nous fait 8 mètres. Voilà. La hauteur ici est de 150 cm. Et la base ici est de 25 cm. Voilà. Donc j'espère que nous venons déjà d'illustrer les trois représentations. Alors là maintenant je vais passer directement au dimensionnement. Je vais d'abord modéliser rapidement ma poutre voile et puis procéder directement au dimensionnement. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens directement ici. Je vais prendre robot structural analysis. Voilà, je suis là. Je peux cliquer directement ici sur plus. Je clique. Alors, à partir d'ici, premièrement, je vais sélectionner les projets. Donc, je vais sélectionner l'onglet qui va m'aider de manière à ce que je puisse modéliser déjà ma poutre voile et passer directement au dimensionnement. Qu'est-ce que je fais ici? Je viens ici. Je sais que je suis en train de dimensionner une poutre voile BA. C'est une poutre voile BA, donc il y aura des armatures ainsi que le béton. Alors je viens ici, je vais prendre également ça, conception des armatures d'éléments BA, d'éléments béton armé. Je clique là-dessus, je vais patienter. Voilà, je vais patienter. Alors je peux toutefois cliquer à vide et puis je vais annuler. Je ferme ça. Alors à partir d'ici maintenant, avant de passer directement à la modélisation de ma poutre voile, n'oubliez pas dans toutes mes vidéos, surtout quand on était en train de calculer ou calculer les éléments de réduction de notre poutre hyperstatique ainsi que la poutre isostatique, je vous avais montré que lorsque vous êtes devant l'interface de travail de votre logiciel, surtout beaucoup plus Robobyte ou Robot Structural Analysis, avant de passer directement à la modélisation ou de calculer votre élément, il faudrait que vous puissiez premièrement paramétrer le unitaire. Alors, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Je suis en train de vérifier premièrement
Alors, je suis en train d'utiliser l'unité de la force ici, c'est les kilonewtons, et l'unité de longueur ici, c'est le mètre. Alors, c'est ce que je vais paramétrer ici. Qu'est-ce que je fais directement? Je viens ici, je prends donc outil. Voilà, je prends directement outil. À partir d'ici, je vais prendre préférence. Je clique sur préférence. Alors, je viens ici, je prends longueur ici. Ici, la langue plutôt. Vous avez la possibilité aussi de faire premièrement la vérification de la langue. Vous allez voir que tout est correct. Du côté langue, il n'y a pas vraiment de problème. Alors, je ferme ça. Je rentre dans l'outil. Je prends préférence de la tâche. Je vais cliquer là-dessus. Vous voyez ici, unité et format. Voilà, matériaux ici. Unité et format à partir d'ici. Lorsque vous cliquez, vous double-cliquez outil là, vous aurez la possibilité de vérifier à partir d'ici, unité des forces ici, c'est juste question de cliquer et vous vérifiez. Vous voyez, donc je suis déjà par défaut avec le logiciel robot structural, l'unité de la force ici, c'est kilonewton. Alors, comme je suis en train de faire aussi les projets avec les kilonewtons, je laisse ça comme ça, déjà c'est bon. Par contre, si j'avais comme unité de la force, par exemple, kilogramme, je pouvais modifier à partir d'ici. Alors, comme ce n'est pas le cas, je laisse donc kilonewton. Et ici, le moment, ça sera kilonewton mètre. Et puis, la contrainte ici, ça dépend. Alors, ça dépend de ce que vous aimeriez beaucoup plus utiliser. Alors, moi, j'aime beaucoup plus utiliser donc les décanewtons. Voilà, les décanewtons par centimètre carré. Voilà, je prends décanewtons par centimètre carré. Et puis, je fais directement OK. Et puis, je vais cliquer sur OK. Voilà, tout est bon. Alors, je peux maintenant passer directement à la modélisation. Alors, je fais comment pour modéliser? Je viens ici. Voilà, je vais cliquer sur Nouvelle poutre. Voilà, donc je vais cliquer sur Nouvelle poutre. Je clique sur Nouvelle poutre. Je vais patienter un tout petit peu. Je vais patienter. Je vais patienter. Voilà, donc je viens de cliquer sur Nouvelle poutre. Voilà, je suis déjà, donc je suis devant l'interface qui peut m'aider de paramétrer, d'introduire directement toutes mes valeurs. Voilà. Alors, voilà. Donc, je voulais vous montrer à ce niveau ici. Vous allez voir que lorsque vous prenez donc nouvelle poutre ici, donc ça va vous donner tout simplement la possibilité de calculer, donc de dimensionner votre poutre en béton armé, comme nous avons souvent l'habitude de le faire. Mais plutôt, par rapport à notre cas, nous sommes en train de calculer donc une poutre voile. Alors, ce qu'il faut faire à ce niveau ici, il ne faut plus prendre une nouvelle poutre. Nous le savons très bien que le logiciel, au fur et à mesure, les années avancent. Et il y a quand même des nouveautés, mais aussi des modifications que Autodesk est en train de faire de manière à ce que nous puissions avoir tout simplement la facilité de manipuler donc les logiciels. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau ici? Il faut plutôt venir ici. Je vais cliquer sur nouveau voile. Vous voyez, puisque nous sommes en train de calculer notre poutre et voile. Et après, je vais vous montrer aussi comment pouvez-vous donc dimensionner un mire voile. Alors, pour les poutres et voiles, je viens ici. Pour la poutre plutôt, la poutre et voile, donc je viens ici, je vais prendre nouveau voile, je clique là-dessus, je vais patienter. Voilà ce que j'obtiens. Voilà, donc à partir d'ici, maintenant, je peux compléter directement les informations de ma poutre et voile. Alors, je reviens d'abord ici pour vérifier les informations ici. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je fais premièrement? Je vais d'abord insérer les noms de ce que je suis en train de faire. Voilà, donc je vais faire quoi ici? Je peux tout simplement écrire, j'introduis tout simplement poutre voile. Voilà, j'écris tout simplement poutre voile avec réservation par exemple. Avec réservation, poutre voile avec réservation, réservation. Voilà. Réservation pour faire passer notre tuyau, comme je vous avais dit là. Alors, à part ça, maintenant, je viens ici, la longueur ici, je vais insérer la longueur. Par rapport à mon cas ici, ma longueur ici est de combien? C'est ça, est de 8 mètres. Voilà, la longueur est de 8 mètres. Hauteur est de 1,50 m. Et puis, ma base est de 25 cm. C'est ce que je vais insérer directement ici. Donc, je viens à partir d'ici. Je vais introduire d'abord ma longueur ici. Je mets 8 mètres. Voilà, je mets donc 8 mètres, je ferme, et puis la hauteur ici c'est donc 1,50 m,
Je ferme à 1,50 m et puis mon épaisseur ici est de 25 cm. Voilà. J'introduis également mon épaisseur 25 cm. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Alors, vous pouvez toutefois appliquer pour avoir d'abord ce que nous venons donc d'introduire. Voilà, donc je suis là. Alors, ça reste quoi maintenant? Je vais insérer aussi donc les données de mes réduceurs. Je sais très bien que je suis en train de faire un projet. Donc, j'ai deux réduceurs à gauche, tout comme à droite. Voilà, c'est ce que je vais directement insérer ici. Et après, je vais maintenant insérer aussi directement notre réservation qui est au milieu ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais rentrer d'abord ici. Concernant les raidisseurs ici, donc renfort à gauche ici, je vais d'abord activer ça, c'est active. Et puis, je vais introduire maintenant mes données ici. Alors, je peux prendre la base. Par exemple, je prends la base des 60 cm. 60 cm et puis les dés, donc je laisse comme ça par défaut, donc des 30. Je vais activer de l'autre côté également, donc je mets partout 60-60. Voilà, 60 cm, 60 cm, et puis j'applique. Voilà, quand j'applique, vous allez voir que je viens d'obtenir mes dés renforts dans mes dés réducteurs à gauche, tout comme à droite. Voilà. Alors, ça reste quoi maintenant? Vous avez la possibilité aussi de voir ça en 3D. Quand je clique ici, vous allez voir. Voilà. Donc, j'ai ça en 3D. Voilà. Voilà. Vous voyez, ici, j'ai le réducteur ici. De l'autre côté également, j'ai un réducteur. Voilà. Et la vie en plan, je suis là. Alors, ça reste quoi maintenant? Je vais tout simplement insérer directement ma réservation. Alors, je fais comment pour insérer ma réservation ici? Je viens ici. Je viens ici, je prends, donc je clique sur ouverture. Et puis je vais décocher premièrement auto-numérotation ici, des ouvertures. Je vais décocher ça. Je décoche ça. Je vais d'abord insérer les noms de ma réservation ici. Je sais que je le fais pour faire passer les tuyaux. Alors ça dépend de moi. Je peux écrire tout simplement tuyau comme réservation ici. Et puis je vais compléter les informations ici. Point de référence ici, je laisse dans centre. Donc ça dit c'est au milieu. Je laisse ça comme ça par défaut. Position suivant l'axe des X. Donc je suis à partir d'ici, dans le milieu ici. L'axe des X, donc c'est dans cette direction. Alors je vais introduire ma position suivant l'axe des X ici. Comme la portée de ma poutre est de 8 mètres, donc ça sera au milieu. Donc je mets 4 mètres. Donc ça sera 8 mètres, 8 divisé par D. Donc ça me fait directement 4. Voilà. Et puis ici maintenant, position par rapport à l'axe des Z, donc c'est-à-dire en hauteur ici, en hauteur, ça me fait combien? Ça fait donc 1,50 m. Donc ça sera 1,50 m divisé par D, ça me fera directement 0,75. C'est ce que je vais introduire ici, j'introduis dans 0,75. Voilà, je fais OK. C'est-à-dire que je me situe directement au milieu. Au milieu. Alors je fais comment ici? Dans la direction de X toujours, LX, ici ça sera combien? Donc la réservation en question, je vais créer une réservation de 50 cm, donc je mets 0,50 cm. Alors je mets également ici 0,50 m plutôt, donc 50 cm de part et d'autre. Je ferme et puis je vais ajouter. J'ajoute, voilà, directement j'obtiens ma réservation. Mais par contre, si vous avez, j'ai la possibilité aussi d'ajouter. Supposons que je vais ajouter une autre réservation ici, à une hauteur par exemple de 0,80. Je mets ça comme ça, 0,80, 0,80. C'est juste question d'ajouter ici. Vous allez voir que ça va apparaître. Vous voyez, donc je reçois directement des réservations au même moment. Une réservation dans une autre réservation. Voilà ce que j'obtiens. Alors par rapport à notre cas, on avait tout simplement besoin d'une seule réservation. Alors maintenant, j'ai fait quoi par rapport à ces cas? Alors donc, je vais supprimer ce que nous venons de créer pour la deuxième fois. Pour supprimer, c'est simple. C'est juste question de sélectionner comme ça. Vous cliquez, vous sélectionnez en noir et puis vous faites directement delete. Et puis c'est parti. Voilà. Donc jusque-là, je viens d'obtenir je viens déjà d'introduire presque toutes mes informations. Alors, et puis, qu'est-ce que je fais ici? J'ai la possibilité de voir ça en 3D. Voilà. Voilà en 3D. Voilà, c'est un peu ça. En quelque sorte. Voilà, je vais rentrer comme ça.
Alors, je crois que jusque-là, déjà, c'est bon. J'ai maintenant la possibilité de passer maintenant au niveau de dimensionnement. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ici? Je viens ici premièrement, je vais prendre le paramètre de l'étage ici. Voilà, donc je prends paramètre de l'étage ici. Alors, paramètre de l'étage ici, tout est bon, tout est bon par défaut. Je laisse ça comme ça et puis je vais cliquer directement ici. Voilà. Voilà, paramètre de dessin, paramètre de l'étage ici. Alors, en cliquant ici, je suis en train de voir déjà quelque chose ici. Normalement, on n'avait pas modifié la norme de conception. Vous voyez, on n'avait pas modifié la norme de conception pour avoir, pour prendre directement le bail-L. C'est ce que je vais faire premièrement. Vous allez voir qu'ici également, ça va changer. Voilà. Donc, je viens, je prends premièrement outil, je prends préférence de la tâche, et puis je prends norme de conception ici. Alors, je viens ici, vous voyez, béton armé ici. Donc, nous sommes en train d'utiliser, nous sommes au niveau des recodes, tandis que par rapport à notre cas, nous sommes en train de faire, dédimensionner un élément béton armé où on avait souhaité beaucoup plus utiliser directement le bail-L. Donc je clique ici, je prends bail-L 91 modifié 99, je clique, voilà, et puis je fais directement OK. Alors je reviens ici, voilà, donc je viens de modifier ici, donc tout est correct, il n'y a rien qui va changer ici. Je viens ici, je prends paramètre de l'étage, vous voyez maintenant tout est changé. Tout a changé plutôt. Voilà, à partir d'ici maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Position de l'étage ici, intermédiaire, milieu non agressif. Je laisse ça comme ça par défaut. Et puis je vais prendre option de calcul ici, enrobage ici, ça dépend. Je peux augmenter un tout petit peu. Je mets dans 2. Soit il y a possibilité de fixer, ou bien vous laissez comme ça par défaut. Alors méthode de calcul ici, je laisse flexion composée. Alors si par contre après calcul et qu'il y a des informations que le robot me donne, je peux toutefois modifier. Je prends ici béton ici. Alors je vais prendre quoi? Je prends béton 25, tout comme je peux prendre béton 20, ça dépend. Je prends béton 20. Alors bon, je peux modifier ici, je prends béton 25. Je vais double-cliquer ici. Donc résistance caractéristique, je laisse 25. Voilà, je remets ça comme c'était. Je laisse 25 ici. Bon, de toutes les façons, ça dépend. Hein. Bon, je prends béton 20, je laisse résistance caractéristique aussi, je laisse 20. Alors, poids volumique ici, je vais prendre donc 2500. Diamètre du granulat, je laisse par défaut 20 mm. Voilà. Acier longitudinal ici, je prends haute adhérence 400. Je fais directement les choix. Je prends barre des 12, barre des 10 et barre des 14. Acier transversal ici, je fais la même chose. Haute adhérence 400. Je prends barre des 6. Vous voyez, je peux prendre barre des 6. Attention à ces niveaux ici. Ici, acier transversal. Ici, c'est pas tout simplement pour faire les cadres. Mais plutôt, ce sont dans des barres qui. Donc, je vais vous montrer ça ici. C'est-à-dire quoi? Donc, vous avez ça. Vous aurez des barres longitudinales. Voilà, donc ça sera comme ça. Ainsi que les barres transversales. Voilà. Vous voyez? Ça sera comme ça. Donc, c'est-à-dire quoi? À ce niveau ici, je vais prendre le même diamètre que le diamètre que j'ai pris pour l'acier longitudinal, dans 10, 12 et 14. Ici également, je prends 10, 12 et 14. Voilà. Treillis soudés, j'ai pas besoin de ça. Donc, je laisse ça comme ça par défaut et puis je fais OK. Voilà. Voilà. Donc, je prends maintenant disposition de ferraillage. Je vais cliquer. Disposition de ferraillage ici. Donc, tout est bon. Je laisse par défaut ici. Armature de répartition. Armature répartie. Voilà, donc tout est bon. Je laisse comme ça par défaut. Si par contre il y a des éléments que je n'ai pas aimé, je peux toutefois modifier. Voilà, treillis soudés, je n'ai pas besoin de ça. Armature des ouvertures. Diamètre 10 par défaut, 10, 10, 10. Donc je peux confirmer ici également 10. Voilà, et puis armature des bords ici. Je laisse comme ça par défaut. Voilà, et puis. Forme ici, c'est pour les crochets.
Voilà, c'est pour les crochets, donc je laisse premièrement comme ça par défaut. Je fais directement OK. Et puis je viens définir charge ici. Je vais cliquer sur définir charge. Voilà. Voilà. Donc je prends directement définir charge ici. Alors à partir d'ici, je vais faire directement les choix. Nature ici, donc je commence d'abord par la nature permanente. Voilà, et je sais très bien que je suis en train d'appliquer une charge uniformément répartie. Donc c'est une charge bien sûr linéaire qui sera donc linéairement sur notre poutre voile. Alors à partir d'ici, je prends directement et charge uniformément répartie. Voilà. Et puis je viens ici, je vais introduire directement la valeur. Alors je vais vérifier premièrement ici. La charge d'exploitation est de 8 kN par mètre. C'est ce que je vais donc insérer. Je reviens ici, je vais double-cliquer, je mets tout simplement 8 kN par mètre. Vous allez voir ici c'est kN par mètre. Voilà. Et puis ici, il faut vérifier ici. Donc, charge appliquée au-dessus, donc en haut, tout comme en bas. Alors, je considère que ma charge est appliquée au-dessus. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je fais ici? Directement, j'ajoute. J'ajoute ici. Je viens d'ajouter donc premier chargement. Vous allez voir ça ici. Permanent, type, c'est uniforme. Position, c'est outil. Alors, de toutes les façons, si vous voulez modifier, vous allez le faire à partir d'ici. Alors, dès que vous vacillez, vous allez voir tout ce que je viens d'insérer. Alors, deuxièmement, je vais introduire aussi ma charge d'exploitation qui est de 12 kN par mètre. Je vais rentrer ici. Je fais la même chose. C'est toujours une charge. Une forme répartie, mais je vais modifier ici. Cette fois-ci, ce n'est pas une charge permanente, mais plutôt c'est une charge d'exploitation. Voilà, donc je modifie ici, je prends charge d'exploitation. Voilà, je vais confirmer ici. Donc c'est une charge uniforme, une forme répartie. C'est une charge uniforme, disons. Donc je viens ici, je vais introduire sa valeur ici, c'est 12 kN par mètre. Donc je fais la même chose, c'est toujours appliqué au-dessus, et puis je vais ajouter. Voilà, j'ajoute. Et vous avez la possibilité de vérifier la différence ici. Vous allez voir que c'est une charge d'exploitation. De l'autre côté, c'est une charge permanente. Vous voyez? Donc, je viens d'illustrer déjà donc mes chargements. Voilà. Alors, voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux maintenant appliquer. Qu'est-ce que je fais ici maintenant? Je viens ici, j'applique. Dès que j'applique ici, et puis je peux soit fermer ça. Je ferme comme ça. Je ferme. Voilà ce que j'obtiens. Voilà. Et à partir d'ici, si je viens ici par exemple, voile schéma des charges, je clique ici. Voilà, vous avez la possibilité de vérifier comment est-ce que vous avez appliqué donc vos chargements. Vous voyez? Vous allez voir que nous venons de respecter donc l'application de notre charge. C'est une charge qui vient donc du haut vers les bas. Voilà, mais le sens est là. Donc c'est juste pour faire la contre-vérification. Puisque des fois, ça peut arriver que vous avez mal introduit donc vos valeurs et à la fin, vous n'aurez pas de bons résultats. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais à partir d'ici? J'ai la possibilité de calculer. Je vais lancer directement les calculs. Voilà, je vais lancer les calculs, générer. Alors, je peux d'abord fermer ici. Alors avant de lancer les calculs, même je vais faire le paramétrage du dessin. Paramètre du dessin ici, je prends analyse, paramètre du dessin, je clique, je fais ça rapidement. Description des armatures, je vais cocher nombre plus diamètre, je vais cocher longueur, espacement. Description des armatures longitudinales de la section. Et échelle, je laisse par défaut. Tableau des armatures, je vais cocher nombre et type. Voilà, et puis je ferme. Justement pour avoir directement même la légende de ce que je vais donc calculer. Et puis je vais lancer les calculs ici. Voilà, je lance les calculs. Je vais patienter. Je vais patienter un tout petit peu. Voilà, donc ça vient de calculer. Attention, je reprends d'abord, je vais relancer les calculs pour essayer un peu de voir les messages qu'on avait reçus. Voilà, mais déjà ça vient de calculer. Qu'est-ce qu'on a écrit ici? Dans les calculs, d'après la méthode générale, flexion composée, les ouvertures ne sont pas prises en compte. Voilà, je fais d'abord OK ici. Alors,
Je vais vérifier quelque chose ici. Je prends d'abord option de calcul ici. Je vais rentrer sur général. Je prends simplifier. Je fais OK. Et puis je vais relancer les calculs. Voilà. Donc je viens de relancer les calculs. Tout est bon. Alors c'était justement pour vous dire que, regarde, je vais vous montrer d'abord un truc ici par rapport au message qu'on avait reçu. Voilà, je prends option de calcul, je prends flexion composée. Les choix qu'on avait fait la première fois, la méthode de calcul, on avait pris flexion composée. Voilà, donc lorsqu'on avait lancé les calculs, il y a un message qu'on avait reçu ici. Voilà, donc erreur de calcul. Le logiciel vient de nous dire que dans les calculs, d'après la méthode générale, la flexion composée que nous avons choisie, les ouvertures ne sont pas prises en compte. Tandis que dans les calculs, moi, je veux que le logiciel puisse calculer en tenant compte de tout ce que moi, je vais insérer comme information. Donc, même les ouvertures. De manière à ce que même s'il faut armer aux alentours de l'ouverture, là où je vais placer mes tuyaux, donc je veux vraiment que ça soit correct. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je suis censé de corriger la flexion composée ici. Voilà, donc il faut modifier ça. Qu'est-ce que je fais ici? J'ai cliqué premièrement sur OK. Et puis je viens ici, j'ai cliqué sur armature, je prends directement option de calcul. Et puis je viens ici, méthode de calcul ici, je prends cette fois-ci simplifier. Voilà, donc simplifier. Et puis je fais quoi? Je relance directement les calculs. Voilà, quand je relance, vous allez voir que tout est correct. Voilà. Voilà, maintenant nous venons donc d'obtenir notre poutre-voile. Nous venons donc de terminer notre dimensionnement de notre poutre-voile. Nous sommes déjà presque à 36e minute. Voilà. Donc, je le fais calmement de manière à ce que vous puissiez vraiment bien voir. Voilà. Donc, poutre-voile avec réservation que nous venons de faire. Tout est là. Alors, vous avez la possibilité aussi de voir d'autres informations telles que votre note de calcul. La note de calcul est là. Vous avez la possibilité tout simplement de lire, de faire la contre-vérification, de vérifier donc tout ce que nous venons de faire. Et à part ça aussi, je vais voir le ferraillage ici. Voilà, je vais fermer d'abord ça. Je ferme encore ça. Voilà, donc c'est juste question de zoomer. Voilà, vous allez voir que vraiment c'est beau, hein? Vraiment c'est beau à voir. Vous voyez? Donc même au niveau donc de notre réservation ici, des ouvertures. Donc le logiciel étant intelligent, donc il vient de placer même les armatures aux alentours de notre réservation. Vous voyez? Donc vraiment c'est très très bien. Voilà, ça c'est donc sous forme de coupe transversale. Ça, c'est sous forme de coupe longitudinale. Alors, vous avez la possibilité d'aller même en trois dimensions. Voilà, vous allez voir vraiment que c'est bien, bien, bien. Voilà, donc nous venons tout simplement donc de calculer de dimensionner notre poutre voile. Voilà, alors par contre, vous avez la possibilité aussi de faire des modifications concernant, donc, de jouer un peu sur les armatures que Robot vient de nous donner. Déjà, comme peut-être changer. Diminuer un peu les sections, tout là, donc tout ce que vous aimeriez beaucoup plus. Voilà, alors comme nous sommes déjà presque aux 38e minute, j'espère que nous allons nous arrêter ici. Alors, merci de votre disponibilité. N'oubliez pas de liker mes vidéos. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne, Jean-Cyr Kounga. Et n'hésitez pas de m'écrire concernant toutes vos préoccupations. Je vais vous répondre par rapport à ça. Alors, merci mes très chers abonnés, merci mes très chers collègues. Alors, passez une très 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 bonne journée et au revoir. À la prochaine vidéo. Bye. Thank you.